שבדורנו לכל הצדיקים המתים שוכני העפר ובחת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ומקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נא נח נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. Donc on est parashat bo et les trois dernières makot qui vont tomber sur l'Égypte. On sait qu'à partir de la cinquième plaie, les Béné Israël vont être de plus en plus concernés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on sait que normalement, Paro aurait pu, à cause de la souffrance des plaies et de la douleur qu'elles engendraient, laisser partir les Béné Israël. Mais Hachem, il n'avait pas fini de montrer aux Béné Israël sa grandeur et de régler ses comptes avec l'Égypte. Alors vous allez me dire, il aurait pu régler ses comptes avec une seule plaie, c'est vrai. Alors pourquoi il en a utilisé 5 ? 5 et 5 en fait étaient 10, enfin 5 de plus, c'est ça que je veux dire. Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait un but principal et un but secondaire. Le but principal, c'est les Béné Israël. C'est de montrer aux Béné Israël qu'ils puissent dire à leurs enfants, qu'ils diront à leurs enfants, qu'ils diront à leurs enfants, qu'ils diront à leurs enfants jusqu'à aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu, il est maître sur toute chose dans le monde. Que ce soit les animaux, la grêle, la terre, ce que tu... Il a dit une fois, voilà, je vous montre, maintenant vous le direz, vous racontez-le à vos enfants, qui raconteront leurs enfants, qui raconteront leurs enfants, que moi je suis dans le monde et c'est moi qui gère tout. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est qu'il y avait des choses à régler avec Paro et avec les Égyptiens qui ont exagéré dans leur comportement vis-à-vis de nous. Il y avait nous asservir, il y avait nous humilier, nous frapper, nous faire du mal. Ça, c'est une autre histoire. Akadosh Baruch Hu règle toujours ses comptes. Alors, il y a une phrase qui représente ce concept-là dans la Torah, et en particulier dans notre paracha, c'est « Ki ani irbadeti et libo ». Il dit Hachem à Moshe, « Il va pas vous laisser partir parce que j'ai endurci son cœur. » Alors, il y a une question qui se pose, que tous les Mefarshim posent, c'est comment, où est-ce qu'il est le libre arbitre ? C'est pas juste. Si tu endurcis le cœur de quelqu'un et qu'il a plus le choix de laisser partir les Israël, alors c'est... Il y a une sorte de forme d'injustice, ouais. Alors, c'est là où les Chachamim viennent et expliquent que non, il n'y a pas de forme d'injustice et comment ça marche. Alors, Bezrat Hashem, regardez ce qu'il écrit. Bapetar parashatenu metzave akadosh baruch hu et Moshe Rabbeinu lalechet el paro. Donc, au début de la parasha, akadosh baruch hu Hashem idbarach, il demande à Moshe, il ordonne à Moshe de se présenter devant paro, ou la trot al makatarbe, et de lui prévenir qu'il va avoir les sauterelles. Ach Hashem Yitbarach mavhir le Moshe, Paro lo yane le Azra. Mais Hashem dit à Moshe, tu vas y aller, mais sache que il va pas répondre à ta requête ou ta prévention, tu le préviens, il va pas répondre à ça. Pourquoi? Ki anir betiet et libo, parce que j'ai endurci son cœur. Bechol zot le ma'an tesaper beozne bincha uven bincha et hitalalti bemitzrayim. Et tout ça. Pourquoi j'ai endurci son cœur? Déjà, Hachem, il est clair. Il dit, tu sais pourquoi j'ai endurci son cœur? Parce que je veux que vous racontiez, il parle au singulier, tu veux que tu racontes à toi, à ton fils, à ton fils, à son fils, à son fils, à son fils, de génération en génération, qu'est-ce que j'ai fait en Israël? Comment j'ai été en Israël? Comment je les ai sortis d'Égypte? Et quel est mon pouvoir dans le monde? Mais l'ichora, a priori, nira la noix d'avoir klohogen. C'est pas juste. A priori, on dirait que c'est pas juste. Mitzadecha, Akadosh Baruch Hu maket paro, mais makot nemanot. Il lui dit d'un côté, il est en train d'éclater paro avec des coups. Ou mitzad sheni, monéa mimeno Akadosh Baruch Hu le'anot et drachah. Et d'un autre côté, il ne le laisse pas, nous laisse partir. Bekar sheu machbid et libo, puisqu'il lui a endurci le cœur. Ouais. Ela. Voilà la réponse. Ela. Masbirim amefarshim. Et ça, c'est une réponse pour Paro, mais c'est une réponse pour tout le monde. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Moi, ça m'intéresse pas Paro. Ça m'intéresse nous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et là, Masbirim amefarshim, les commentateurs, ils expliquent. Mais makot arishonot, achen haya bide Paro koach aprira achufshit. C'est vrai que dans les premières makot, donc les 5 premières, Paro, il avait une prira complète. C'est-à-dire, il avait un libre arbitre complet. Il pouvait nous laisser partir, pas nous laisser partir. Il a choisi de pas nous laisser partir. Mais l'aura kratza, yayachol, ishracher et Israël, il pouvait complètement nous laisser partir. Armeachar, sheishir, vitris, keneged Hashem. Mais une fois qu'il a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il allait contre la volonté d'Hashem.
Et Nisho Akadosh Baruch Mida Keneged Mida, Hachem il l'a puni mesure pour mesure. Alidee Netilat Aprira Chofshit Mimeno en lui, j'ai pas envie de dire en annulant, en lui affaiblissant le pouvoir de la prira, le pouvoir du choix. Ça répond toujours pas à notre question. Il y a quand même quelque chose qui a pas l'air juste. Alors, viens, on fait une parenthèse et on essaye de comprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai pour Paro, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Au premier choix dans la vie, on a le vrai choix. Chaque fois qu'on fait le mauvais choix, par voie de conséquence, ça crée une clipa sur le cœur. Chaque faute, elle crée une clipa sur le cœur. Une clipa, c'est quoi? C'est une écorce qui empêche le cœur de ressentir Akadosh Baruch Hu, de sentir vraiment, véritablement. On parle beaucoup, il y a Hachem dans le monde, il y a Hachem dans le monde, mais qui c'est qui vit avec Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24, qui voit Hachem devant ses yeux? Voir, ça veut dire tu vois rien, mais tu sais qu'il est là. Ouais, ça c'est le niveau des tzadikim, Ken. Alors il dit, à chaque fois que quelqu'un il fait le mauvais choix, il encrasse son cœur. Et cet encrassement, par voie de conséquence, il fait en sorte que il a plus tendance à faire le mauvais choix la prochaine fois. Donc en réalité, la personne, elle dit attends, je comprends pas. Et moi, Hachem, il m'a demandé des choses, ouais. Mais parce que j'ai fait hier, j'ai fait un mauvais choix. Je suis allé contre la volonté d'Hachem. Alors aujourd'hui, j'ai moins le libre arbitre de faire le bon choix. Alors ça a l'air comme c'est une conséquence, mais ça a l'air difficile à comprendre. Alors en fait, il va expliquer, on va voir dans les mots, mais c'est important de comprendre ce principe-là. C'est qu'en réalité, la conséquence d'un mauvais choix, c'est que tu es plus loin d'Hachem, tu sens moins Hachem, donc tu es moins capable de faire le bon choix la prochaine fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en réalité, il dit « Ach me'achar sherishira v'etstir kenegad Hachem » Et nishok kadosh baruch hu mida kenegenina l'aide des tilat aprira au chronchim mimeno paro shitra rev. Donc paro il s'est rebellé contre Hachem. Mi Hachem asher ishma bekolo, c'est qui Hachem? Il a dit à Moshe quand il est venu voir, il a dit c'est qui Hachem qu'on va l'écouter? C'est qui lui? J'ai pas besoin d'écouter, c'est moi le Dieu dans ce monde. Omer be'etzem maduar she ishma bekol Hachem. Il a posé la question en vérité, pourquoi est-ce que je devrais écouter Hachem? Are ani paro, moi je suis paro. Achalit akol yachol, je suis celui qui peut faire tout ici. Ani machlit vani kovea, c'est moi qui choisis et c'est moi qui instaure. Barolam kulo, dans tout le monde entier, dit paro. Oui. La chen mar elo akadosh baruchu, c'est pour ça qu'akadosh baruchu lui montre. Chez lobilvat chez uparo eno yachol kol yachol, pas seulement qu'il peut pas tout faire, mais eno machlit ve kovea, mais non seulement il peut pas tout faire, mais il peut pas machlit, il peut pas kovea. Il peut pas choisir, il peut pas. Et si Hachem a décidé quelque chose, il fera pas autrement. Et la filou alatsmoho enokovea, même sur lui-même, il choisit pas. Ovot chez la anashim acherim yesh bechiyat hachofshim. Alors même si normalement chez les autres, ils ont toujours le libre arbitre. Paro meshobat l'irson Hachem. Paro parce qu'il a fait cette confrontation là vers Kadosh Baruch Hu en disant c'est moi Dieu, c'est moi qui choisis. Alors Hachem il lui montre qu'il est medakenegad mida mesure pour mesure que non seulement il choisit pas pour les autres, mais il choisit même pas pour lui-même. Ok, donc il y a rien qui est sous sa gouvernance. Mais à autre chose là, im en bekocho shel paro la note les tziovrei Hachem les shem ma bechla itra boshe bo Moshe. Donc si tu dis que de toute façon il a aucun pouvoir paro, il peut rien faire. Alors pourquoi tu envoies Moshe? Pourquoi tu envoies Moshe lui parler? Il peut rien faire. C'est pas lui qui décide. Pourquoi tu envoies Moshe? Et là Omer Balatania, le Balatania il dit la chose suivante. Donc ici on est dans Bénétion. Le Balatania il dit la chose suivante. Chez Afil ou Michéou Racha Merusha, même celui qui est le plus grand des Racha. C'est quelqu'un que vous avez, même pas vous le regardez tellement il est Racha, oui. Mais Alav Neemar, En Maspikin Beyado Shel Racha La Asot Tshuva. Et sur lui c'est écrit, il peut pas faire Tshuva. Mishamaim Lo Me Ashrim, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dans ses mains de faire Tshuva. Alors il explique le Balatania. Mishamaim Lo Me Afsherim Lo La Chazor Bitshuva. Du ciel, on l'aide pas à faire Tshuva. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, il est pour renforcer ce qu'on a dit hier. Que c'est pas vrai, il n'y a pas un homme dans ce monde, un homme juif, dans ce monde, qui peut pas faire tchouva. Ça n'existe pas. Même celui qui a fait ce qu'il a fait, il peut pas, il a toujours la tchouva. La seule différence, c'est parce qu'il a fait tellement d'erreurs, il a encrassé son cœur, alors du ciel, on l'aide pas. On lui facilite pas la tchouva. Donc en réalité, c'est pas que, même Paro, c'est pas qu'il pouvait pas ne pas nous laisser partir. C'est de plus en plus difficile de nous laisser partir.
de plus en plus difficile de se partir. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il lui a endurci le cœur. Mais s'il voulait vraiment, il faisait teshuva complète, ce qui n'était pas le cas de Paro. Mais ce qu'il voulait, si un homme il veut vraiment, alors il va avoir beaucoup plus de difficultés. Par exemple, on sait quelqu'un qui a été très loin. Au début, quand il fait teshuva, c'est très dur. Il y a beaucoup de difficultés. Il a des problèmes avec, des fois avec sa famille, des fois c'est avec sa femme, des fois avec. Des fois, moi, je connais des gens, ils m'ont dit, mais je comprends pas. Moi, j'essaie de faire teshuva, je me réveille la neige, je fais la prière, ça, et ma femme, elle veut pas, elle allume la télé devant les enfants Shabbat, elle me fait des histoires. Pas un, pas deux, des dizaines comme ça. Et je dis, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il veut que je fasse teshuva, il veut pas que je fasse teshuva. Moi, je reviens vers lui, moi, j'essaie de faire, et j'ai l'impression que depuis que je fais, c'est là où il y a les plus gros problèmes. Ou le jeune qui a 18-19 ans, et bon, aujourd'hui c'est moins le cas, Baruch HaShem, mais à une époque, il y a 10-15 ans, ça fait pas si longtemps que ça, il y avait moins cette énième de Tchouva comme ça et cette acceptation. Il y avait des parents qui avaient vécu assimilés pratiquement. Ils voient leurs enfants revenir, ils comprennent pas, on dirait qu'il est parti en prison, le gars, tu vois. Il fait Tchouva, on dirait qu'il sort de prison. Ça veut dire on le traitait vraiment mal et il ne comprenait pas. Tu te dis, alors maintenant tu comprends que c'est parce que. À cause de, il faut casser les clipotes, ouais. Donc il faut casser les écorces qui ont été créées par les fautes. Donc en réalité, ces écorces-là, c'est une façon de que le ciel, Hachem, il veut qu'on fasse tchouva, mais que le ciel, c'est comme si non seul il aide pas la tchouva, il aide pas la tchouva. Vous comprenez? Plus on est loin, plus on a fait de fautes, plus c'est difficile de revenir. Alors un homme il dit, je comprends pas, moi je suis déjà loin, je veux revenir, mais je vois que ça marche pas. Alors il dit, ça y est, c'est bon, c'est qu'Hachem il veut pas, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire que le Tirare, il est en train de jouer avec toi. Parce que toi, tu dis que, attends, je comprends pas, ça fait un mois, 2 mois, 1 an, j'essaye, ça marche pas, c'est là, ma femme est contre moi, le travail, j'ai dû quitter mon travail parce que je travaillais pas Shabbat, truc machin, et la part de ça, c'est difficile, et y en a l'eau, allez-nous. Moi, je connais quelqu'un, il a commencé à faire, tu vois, il est tombé malade, allez-nous. Mais malade, malade. Il a dû quitter son travail, quitter son truc. Le gars, il dit, c'est ça, là, tu vois, Et Baruch HaShem, il est resté. Jusqu'à aujourd'hui, et Baruch HaShem, il est sorti de la maladie, tout va bien. Mais ça veut dire que ça a été une période de peut-être 10 ans comme ça. Il faut tenir. Il faut être convaincu. Je veux dire, c'est pas Stam, la personne veut faire tchouva comme ça. Mais ça, c'est ce qu'il explique ici. C'est que lorsqu'on a fait un certain nombre de fautes, ces fautes, c'est des anges accusateurs ou des clipotes sur le cœur, vous l'expliquez comme vous voulez, qui empêchent dans le ciel qu'on aide à faire tchouva. Qu'on aide le retour, qu'on facilite le retour. Au contraire, il alourdit le retour parce qu'ils veulent, il veut faire, ils veulent faire payer à l'homme ce qu'il a fait. Mais il dit, mais si un homme, malgré tout, il tient bon, il est têtu dans sa tchouva, mitrazek, il se renforce, ou mitgaber, il gagne, à l'itzro sur son etzerara, mais aussi tchouva, mekablim et tchouvato. Sachez qu'on reçoit sa tchouva. Ça veut dire quoi recevoir sa tchouva? Parce que on parle beaucoup de tchouva, ça veut dire. Alors, il y a un inyan, que la tchouva c'est un retour vers. Alors j'ai expliqué déjà ça plusieurs fois, mais on peut le réexpliquer aujourd'hui. La tchouva c'est pas un retour vers simplement vers Dieu. C'est un retour vers la partie de Dieu qui est en nous. Parce qu'on peut pas revenir. Nous on a, moi et vous on a des dieux différents, je vous le dis. Ça veut dire que la vision de Dieu, la connaissance de Dieu, elle dépend de la personne, elle dépend de son vécu, elle dépend de ce qu'il a étudié, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris, de sa vision des choses, de sa capacité à sa relation avec les autres, sa relation avec son environnement. C'est ça Dieu. C'est quoi Dieu dans le monde? C'est tout. Donc c'est ma relation avec tout. Ma relation avec tout, elle est pas la même que la tienne, qu'elle est pas la même que la tienne, qu'elle est pas la même que la tienne. Chacun, il a sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu, elle dépend de quoi? Elle dépend de l'âme, de la partie de Dieu qui est en nous. Moi, j'ai pas la même que la vôtre, et inversement. Donc, la partie d'âme qui est en moi, c'est elle que je dois, à laquelle je dois revenir. Donc, en réalité, tout ce que j'ai à faire, ce qui est très très dur, mais tout ce que j'ai à faire, c'est enlever toutes les saletés. On a dit, parlait hier du dévouche. On a un habit, on a l'âme, et la Rizal, il dit, on a l'habit de l'âme. L'habit de l'âme, c'est lui qui se salit. L'âme ne se salit jamais. L'âme, c'est une partie de Dieu. C'est chelek me le kamimal, jamais elle l'est touchée. Ce qui est abîmé, c'est le levouche. C'est ce qui, c'est nous en vérité. Le Arizal, il explique que le levouche, c'est nous. Non, c'est nous. Ah, je vous ai pas expliqué ça. Il y a un Sipurim Asiyot, il y a très longtemps, on a fait quelques années. Le premier Sipurim Asiyot sur la princesse perdue qui explique la chose suivante. Qui pose la question, en vérité, de façon cachée, mais il pose la question. Qui c'est qu'on est nous? Vous êtes qui? Je vous connais pas, alors je vous vois, mais vous êtes qui? C'est vrai, vous êtes qui? C'est-à-dire, qui on est? Alors, il y en a, ils vont dire, moi, je suis l'âme. C'est pas vrai. Il y en a, ils vont dire, ok, moi, je suis le corps. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous donne toujours cet exemple-là. Vous avez une voiture, ouais? Dans la voiture, il y a un moteur, il y a une carrosserie, il y a un conducteur. Le moteur, c'est l'âme. Sans âme,
Le corps, tu as les mêmes yeux, les mêmes oreilles, les mêmes nez, il respire pas, il regarde pas, il écoute pas. Donc le corps, c'est l'âme. Le moteur, c'est l'âme. Ça veut dire c'est ça qui donne l'énergie pour vivre. Ok. Et l'âme, elle est éternelle. D'accord? Il y a une partie qui est à l'intérieur de nous, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, une partie dans le cerveau, une partie dans le cœur, une partie dans le sang, Nefesh Ruach Neshama. Et il y a une partie qui est à l'extérieur de nous, qui est dans les mondes supérieurs, et qui est reliée par un fil invisible entre nous et le monde supérieur, qui est Chaya Yachida. Ok? Ça, c'est l'âme. L'âme, c'est le moteur. Maintenant, le corps, c'est la carrosserie. Le corps, c'est la carrosserie. Ça sert à avancer, quoi. Il y a des roues, il y a des trucs, c'est la carrosserie. Et ça s'abîme avec le temps. C'est la carrosserie. D'accord? Et il y a le conducteur. Le conducteur, c'est nous. C'est qui on est vraiment. Ça, vous êtes le conducteur. C'est-à-dire celui qui fait les choix. Ok? C'est ça qu'on est en vérité. On est une somme de choix. Après, ce qui nous arrive, ce qui nous arrive pas dans la vie, en vérité, c'est la plupart, c'est même pas choisi par nous. Enfin, c'est déjà décidé, quoi. Qui on va marier, qui on truc en fonction de quel niveau on a. Bon, c'est des sujets en soi qui durent des heures à chaque fois, mais. L'Agmara, elle dit, l'homme, il vient avec sa femme, il vient avec son argent, il vient avec son mazal, il vient avec pas mal de choses déjà dans ce monde. Il vient déjà avec son tikkoun, sa réparation, il vient avec pas mal de choses. Il y a très peu de choix en réalité. On est une somme de choix de ce qu'on fait. Donc c'est ça qui on est vraiment. C'est le conducteur. Alors le Arizal, il appelle le conducteur le levouche, c'est l'habit de l'âme. C'est-à-dire le lien entre l'âme, qui n'est pas à nous, parce qu'elle revient, quand elle quitte le corps, elle revient au Kissa Kavod, et le corps, qui n'est pas à nous non plus. Parce que c'est juste un ustensile qui va revenir à la terre. Ce qui est jugé, c'est le levouche. Le levouche, c'est nous. Ce qui est sali, avec les fautes, c'est le levouche aussi. C'est l'habit de l'âme. Donc nous, on est une somme de choix. À chaque fois, c'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la prod, que l'essentiel d'un homme, c'est ses choix. C'est sa volonté et ses choix. C'est sa volonté qui mène à ses choix. C'est ça l'essentiel d'un homme. Là où tu veux être, tu es. Rabbi Nathan, il dit, si tu veux être, tu es à la plage, mais tu veux être à la synagogue, tu es à la synagogue. Et si tu es à la synagogue, tu veux être à la plage, tu es à la plage. Et donc, mais tu dis, non, mais il est à la synagogue, non, il est à la plage. C'est comme ça. Donc, quoi? Donc, il dit ici, c'est la même chose. Quand un homme, il faute, et on faute tous, de par la nature des choses, de par notre etc., eh bien, il encrasse son cœur. Et la conséquence de l'encrassement de son cœur et de la création des anges accusateurs, c'est que quand il va vouloir faire tchouva, parce que ça va lui arriver un jour ou l'autre, ça va être de plus en plus difficile parce qu'on va pas l'aider d'en haut. Et Paro, c'est le summum de ça. Paro, c'est le top du top. Paro, c'est Hachem lui-même qui lui a dit, tu ne les laisseras pas partir. J'ai pas fini mon travail, tu ne les laisseras pas partir. C'est le summum de la Touma, mais le summum aussi de l'encrassement, c'est-à-dire du non-aide du ciel de faire tchouva. Mais Paro, il l'a fait tchouva à la fin. C'est le seul qui a été sauvé de tous les Mitzrayim là-bas. Il est parti à Ninevé. À Ninevé, il a fait au début de Tshuva. Après, il est revenu. On a compris avec l'histoire de Yona qu'il est revenu à ses mauvaises mœurs. Et quand Yona, il est venu pour les prévenir, il a dit à tout le monde, oh, je sais c'est qui Dieu. Ne rigolez pas avec lui. Venez, on fait Tshuva. Il a fait Tshuva. C'est vrai. Comme ça dit le Midrash, hein? Je sais pas ça. Ah ouais? C'est pour ça? Ah, j'ai pas lu ce commentaire-là. Qu'il a fait un mikvé, alors ça l'a fait. Ah, c'est vrai que le mikvé, ça aide énormément. Tu ouvres une belle, très belle porte. Il y a une façon de se nettoyer. Oh! Il y a une façon de se nettoyer de façon très, très, très efficace. C'est le mikvé. Le mikvé, c'est très. Rabbeinu, il met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur faire le mikvé tous les jours, surtout chez les hommes, parce que les femmes, elles peuvent pas. C'est seulement aux dates prévues. Mais les hommes, ils peuvent se nettoyer. Ça nettoie le levouche, comme ça, il dit. C'est vrai, Dafka, c'est très bien ce que tu dis parce que c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, ça nettoie le levouche. Le levouche, c'est-à-dire l'habit de l'âme, ce qu'on a expliqué. Alors il dit ici, où on était, oui, Mishamikabelimetshuvato. Alors quoi? Omna Mishamaim lo. Donc même si un homme, quand il a fauté suffisamment, c'est-à-dire un certain nombre de fautes, ça fait très longtemps qu'il est en fait dans la faute, du ciel, on l'aide pas. Au contraire, on lui met sur son chemin des choses, des embûches. Aval imhu mitakesh, mais s'il tient bon et il comprend ce concept-là, il continue à vouloir faire tshuva malgré tout. Mishabaim mekablim et tshuvato. Mishamaim, on accepte sa tshuva. Moi, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que je connais, un vieux monsieur, mais il me racontait que il a fait tshuva, il avait dans 30, 30, 30 à quelques années une histoire qui lui est arrivée personnelle, qui l'a fait faire tshuva. Maintenant, lui, il a fait tshuva, sa femme, elle veut pas faire tshuva.
Et donc ses enfants, ils suivent pas non plus. Donc sa femme, elle regarde la télé Shabbat, elle prend la voiture, et lui, il est là dans son coin, Shabbat après Shabbat, Shabbat après Shabbat. Combien ça a duré de temps? Il dit 33 ans. 33 ans, à l'âge de 60, il avait 65 ou 66. Un de ses enfants, il a fait tchouva, il a fait faire tchouva à ses autres enfants, et sa femme, finalement, elle a fait tchouva. 33 ans, ça lui a pris. Donc, s'il avait dit au bout d'un an, écoute, Hachem, tu veux pas de moi, j'en ai marre, moi, de rester tout seul à la maison, et ma femme, elle sort, elle prend les 20 ans, en plus, je vois mes enfants qui font pas Shabbat, qu'est-ce que je fais moi ici? À quoi ça sert? Il aurait raté. Hachem, il a pas de temps. Ça, vous comprenez pas. Enfin, on comprend pas. C'est, nous, on est tout le temps dans l'immédiat, surtout aujourd'hui, on veut tout de suite, tout de suite. Mais Hachem, il n'y a pas de temps chez lui. Tu as pris 33 ans. Au bout de 33 ans, il dit, Hachem, c'est bon. Maintenant, viens, on fait faire tu vas toute la famille. Tu as passé le test. 33 ans! Vous imaginez 33 ans de Shabbat avec la télé allumée? Je sais pas, tu deviens fou. Tu deviens fou. C'est un test, ça, oui. Il dit voilà, ça c'est ce qu'il dit ici. C'est qu'un homme qui a laissé Hachem, même si Hachem il veut de lui, il y a quand même tout un système qui fait en sorte que ça empêche l'homme de faire tchouva, ou en tout cas de faciliter sa tchouva. Donc, même si on lui a enlevé le libre arbitre, le libre arbitre. Hachem chizek et libo, et que Hachem il a renforcé son cœur contre le fait de laisser partir les Israël. Il ouaya mitrazek veromet keneged achbadat alev. S'il s'était renforcé contre cette dureté du cœur, ayaya chola asot tshuva, il aurait pu faire tshuva même lui. Mais l'imnoa me atzmo et amakot anosafot, et il aurait pu se libérer ou se sauver des dernières makot, des derniers plaies. Mais au il el paro, lo nissa litrazek ou litgaber al achbadat halev. Mais il a décidé de ne pas faire ça. Oui. Enfin, bien sûr. Les cinq dernières plaies, dont Kiryat Yamsouf, s'il avait été libéré avant, si même s'il avait fait tchouva avant, pardon. Kiryat Yamsouf, il était prévu déjà depuis Bereshit, avant Bereshit. Comment ça se passe? Alors je vais t'expliquer. Ça, c'est la question du Rambam que tout le monde pose. C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il n'intervient, il permet le libre arbitre. Donc même là, il avait un certain libre arbitre, même s'il était infime, mais tout en sachant ce qui va se passer. Donc il sait à l'avance que Kriyat Yam Souf va arriver, que Paro va pas faire tchouva. Mais il lui laisse quand même le libre arbitre, qui aurait pu. Donc au final, il aurait jamais fait tchouva, Paro. Non, alors c'est ça le truc, c'est que parce qu'Hachem, il n'y a pas de temps. Donc, c'est très difficile à comprendre pour nous. Le Rambam, il dit, faut même pas poser la question, mais on va essayer juste 2 secondes. Ça veut dire que d'un côté, Hachem, il sait ce qui va se passer. Donc il sait qu'il va faire tchouva, qu'il va pas faire tchouva, etc. Oui, mais d'un autre côté, l'homme, au moment où il est dans son espace-temps à lui, il peut faire tchouva. Il peut tout faire, ok. Mais c'est juste qu'Hachem, parce qu'il sait ce qui s'est passé avant, il a déjà tout prévu. Mais au moment où il est lui, il est dans le choix. C'est juste qu'Hachem, il connaît le choix qu'il va faire. Il laisse le choix au moment où il est lui, mais lui, comme il se connaît l'avenir, il sait ce qui va se passer. Donc il a déjà tout géré. Alors, Hachem chizek et libo. Et donc, parce qu'il n'a pas réussi à casser cette clipa, cette écorce que lui a mis Hachem sur le cœur, il a mérité la conséquence. Donc, il dit ici que dans ces choses-là, en vérité, ça nous concerne à tous pour l'éternité. Si déjà Paro, Agoy Aracha, un non-juif qui était un racha, Ayayachol Hachouvi Tchouva, il aurait pu faire Tchouva. Gam Lachar, si Hachem Itbar, Echbid et Libou, même si Hachem il a endurci le cœur. Kalvachomer Yehudi, encore plus un juif. Chez Nishmato, Ichelek Elokamimal, que sa Neshama, on a dit, c'est le moteur, ça vient directement, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas le cas des autres. Tamid Yeshbo et Akoach Lachouvi Tchouva, toujours, 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 il a la possibilité de faire Tchouva. Malgré toutes les difficultés qu'on peut mettre sur son chemin. La Kadosh Baruch Hu metzapé l'itchouvato, et Akadosh Baruch Hu, non seulement il attend, mais il espère sa Tchouva, son retour, chez Kol Yehudi Bacher Roucham, que de tous les bénis Israël là où ils sont, va filou mish mish drachak me'od me'od, et même si quelqu'un il est très très loin, ve'u betachtit al madrega. Alors, la réalité c'est quoi? C'est que faire tchouva, c'est impossible de dire maintenant, je vais arriver et je vais faire tchouva, je vais devenir Baba Salé. Ça n'existe pas, ça. Faire tchouva, ça veut dire écouter quelque chose. Par exemple, quelqu'un, je vais parler de Shabbat. Un vieux monsieur, peut-être 70 ans, quelque chose comme ça. Et il a jamais fait, mais il a grandi un peu dans une maison où on faisait à peu près Shabbat à moitié. Mais on va dire depuis 40 ans, il fait pas Shabbat.
Tu lui dis de faire Shabbat, c'est impossible. Tu peux pas dire une chose pareille à quelqu'un. C'est plus dans ses mœurs. Mais dis-lui, tu sais quoi, ne prends pas la voiture le vendredi soir. Fais quelque chose. Voilà, fais quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu voir, je ne me rappelle plus qui, je crois que c'est le Stipler, mais non, le Razonich. Et il fumait. Il lui a dit, tu fais Shabbat? Il lui dit, oui, sauf la cigarette. Il lui dit, ok, est-ce que tu es capable de ne pas éteindre la cigarette? Il n'a pas dit, arrête la cigarette. Il n'a pas dit, arrête de fumer. Il n'a pas dit, enlève une cigarette. Il dit, tu es capable de ne pas éteindre la cigarette? Ouais, je suis capable de ne pas éteindre mes cigarettes. Ok, commence par ça. Et il est arrivé quelques années plus tard. Il avait fini d'arrêter, il avait arrêté. Il avait commencé quelque part. Le problème, il est qu'un homme, il écoute quelque chose. Il a un hérour de tchouva, mais il actionne pas le hérour. Parce qu'il dit, c'est trop loin de moi. Mais il y a toujours une étape qui est proche. Je parle toujours maintenant en ce moment du Yanouka. Le Yanouka, il y a un groupe de jeunes qui sont venus le voir. J'ai raconté cette histoire. Il y a un groupe de jeunes qui sont venus le voir. Il faisait un choix pour aller à la yeshiva, pas à la yeshiva. Il leur a dit, que vous alliez ou que vous n'alliez pas, s'il vous plaît, regardez au moins une fois par jour le ciel. C'est-à-dire le minimum, genre, quelqu'un lui a dit, il te vaut des doutes. Parce qu'il a dit, genre, parlez avec Hachem. Il lui a dit, non, ça c'est pour les avancées, regardez le ciel. Genre, commence quelque part. Juste commence quelque part. C'est le problème, c'est que tu sors d'un chiour. Bon, c'est sympa et tout, tu as jeté, c'est fini. Non, la tchouva, c'est pas. Ça existe pas. Tu peux pas te battre contre les anges accusateurs que tu as créés. Donc, il faut commencer à un endroit où ils te laissent. Il y a toujours un pétard, il y a toujours un petit truc où ils vont te laisser et à ce moment-là, tu peux augmenter la dose. Et comme ça, on fait tchouva, la vérité. Bien sûr, il y a des fois, il y a une autre sorte de tchouva. C'est qu'il y a une tchouva où il y a une aide du ciel. On voit qu'il y a des gens qui veulent pas faire tchouva. Et du ciel, on le fait faire, tu vois. Mais ça, c'est pas grâce à eux. C'est soit grâce à eux dans une autre vie, soit grâce souvent à un grand-père, à une grand-mère, à quelqu'un qui a fait quelque chose pour eux dans le ciel, qui a dealé pendant des années avec Hachem, jusqu'à qu'il ait avec Hachem, il a dit, ok, c'est bon. Mais ça, c'est pas eux. Ils ont fait, tu vois, mais c'est pas leur mérite. Et tu vois qu'ils sont sortis de l'endroit, tu te dis, mais je comprends pas, il y a un an, je t'ai vu là, je dis, écoute, je sais pas, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait ça s'est fait tout seul. Et le gars, il a une atzlara dans la tchouva. Ça, c'est une autre histoire. C'est le gars que vraiment, c'est pas son ressort, mais celui qui veut vraiment, qui est dans Matzav, il se dit, comment je vais faire, qui commence un tout petit peu, un truc, dans Shabbat, juste prends pas la voiture, 2 heures par dans le Shabbat. Essaie de faire Shabbat 2 heures, une heure, qu'est-ce que tu peux? Là, ils vous doute la même chose, les gars, ils disent, ouais, il faut faire 1 heure de par jour. Qu'est-ce qui fait 1 heure de par jour aujourd'hui? Qui c'est qui éteint son téléphone 1 heure par jour aujourd'hui? Oublie les bonnes doutes. Ouais, ça veut dire, au moins, 5 minutes. Tu sais quoi? Éteins le téléphone 5 minutes, mets un chrono 5 minutes sur ton téléphone. Tu veux pas l'éteindre, mets un chrono 5 minutes dans ton téléphone et isole-toi quelque part. Tu veux pas parler, ne parle pas. Rabbeinu, il dit le silence est aussi dit bon, d'autres. Tu mets Kadesh un Zman dans la journée. Ça met taire la Neshama de façon extraordinaire. Rabbeinu, il dit celui qui a fait de bon, d'autres, c'est sûr qu'il a Olam Haba. C'est sûr qu'il a Olam Haba. Il dit là, parce que tu peux pas passer ta vie à faire Yidbo des doutes. Dans tous les jours, tu fais un peu Yidbo des doutes et tu te mets ta ken pas. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais 1 heure par jour, même pas 1 heure, même 10 minutes par jour, tu es là avec Hachem. Déjà, tu reconnais qu'il y a Kadosh Baruch Hu et il va t'aider. Aide-moi là, soit. Vous êtes Hachem. Chazak ou Baruch.